nous allons voir comment s'échauffer, se préparer physiquement et mentalement. Sans cette préparation, les performances techniques, tactiques et physiques sont drastiquement réduites. Le premier exercice d'échauffement mental consiste à apprendre comment maîtriser sa respiration. La technique du contrôle respiratoire, ou de la respiration ventrale, permet de relâcher le corps, de se détacher des pensées négatives et de se focaliser uniquement sur ce qui est nécessaire. Il faut apprendre à écouter son corps, pour trouver les justes tensions et détendre les muscles hypertendus qui polluent notre jeu. Des exercices de tension-contraction, puis de relâchement musculaire, pour chaque partie du corps, permet d'affiner cette conscience corporelle. Notre cerveau coordonne à la fois nos mouvements et nos pensées. Ces exercices stimulent les deux hémisphères du cerveau et les aident à se reconnecter, favorisant la vision binoculaire, la coordination et l'équilibre, ainsi que la concentration. Dans ces exercices, il s'agit d'effectuer une succession de mouvements en symétrie. Réalisez ces exercices lentement, sans forcer. Dans le cadre d'un échauffement golfique complet, vous pouvez réaliser l'ensemble de ces exercices, de préférence du haut vers le bas, afin de n'oublier aucune partie du corps. Les étirements sont essentiels en golf pour améliorer la souplesse, la mobilité articulaire et le relâchement musculaire. Ils permettent de réduire les blessures et favorisent la récupération.
La répétition de ces exercices renforce les muscles stabilisateurs qui sont chargés de maintenir le corps dans une bonne posture. Les personnes pratiquant le renforcement musculaire diminuent ainsi le risque de maux de dos en se tenant naturellement mieux. Sollicités, les muscles ont également un effet stimulant sur nos os.